Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2023 pour le signe du Capricorne. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite pour redire qu'il n'y aura pas de consultation sur le mois d'août. Elles reprendront à partir de septembre et auront dorénavant lieu le samedi, et uniquement le samedi, avec plus de créneaux dans la journée. Voilà, donc on va commencer votre guidance tout de suite. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'ermite, et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois d'août. J'ai le nez qui me gratte. Alors, on a l'as de Denis qui sort comme ça et le roi d'épée. D'accord. Alors, l'as de Denis est tombé un petit peu comme ça, un petit peu en challenge. Donc, on a effectivement une nouveauté qui vient à vous sur ce mois d'août où je le vois plus comme un besoin en fait. Comme une nécessité de mettre quelque chose en place. Où, là, avec ces deux énergies comme ça et le roi d'épée ici. J'ai le besoin de soit de mettre fin à quelque chose pour que autre chose commence, d'accord? Donc ça peut être vous qui n'avez pas envie de mettre fin à quelque chose ou quelqu'un en face de vous qui n'a pas envie de mettre fin à quelque chose, hein, ou alors là, il y a une difficulté à mettre fin à quelque chose. Mais il y a quelque chose de conditionnel et de conditionné ici. Il y a besoin de passer à la suite, il y a besoin de trancher, d'accord? Il y a besoin de faire autre chose ou de faire différemment, mais pour ça, du coup, il y a besoin d'arrêter quelque chose ou de modifier quelque chose. Là, c'est cette énergie de... il faut bien fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et j'ai l'impression qu'ici, on a du mal à s'y résoudre. Ou alors, on ne sait pas trop comment faire ou quoi faire. On ne sait pas si c'est la bonne idée. Si, voilà, j'ai de l'incertitude ici quant à cette nouveauté. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on peut vous faire aussi une proposition sur ce mois d'août, d'accord? Et vous avez du mal à aller dans cette direction-là. Moi, ce roi d'épée me parle ici de méfiance, d'accord? Il me paraît là, ici, très très méfiant, ce roi d'épée. Alors, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit, mais malgré tout, j'ai ici de la... On est circonspect, de la circonspection. Je crois que ça se dit comme ça. On est circonspect, on est méfiant. Il y a cette idée, est-ce que je vais pas perdre au change? D'accord? Est-ce que je vais pas perdre au change? Est-ce que c'est vraiment la bonne idée, la bonne solution? Ou alors, il y a quelque... Ou alors, ça peut être dans vous qui avez le désir de commencer quelque chose, mais c'est compliqué à mettre en place, en fait. Et donc, vous pourriez vous poser mille et une questions sur pourquoi ça marche pas, pourquoi ça veut pas, etc., etc. Le roi d'épée peut vous inviter aussi à vous faire aider, à vous faire accompagner, d'accord? C'est une énergie... d'expertise, de conseiller, de quelqu'un qui sait de quoi il parle et de quelqu'un qui est objectif, d'accord, dans son approche vis-à-vis de votre problématique, de vous-même ou de peu importe ce que représente cet as de denier. Donc, soit c'est ça, soit par rapport à une nouveauté qui arrive dans votre vie qui a l'air un petit peu, pas forcément bancale, mais... Voilà, hein, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. On va vous inviter à avoir les yeux grands ouverts, en fait, avec ce roi d'épée, c'est-à-dire à ne pas vous laisser avoir par le chantage affectif, ne pas vous laisser avoir par des mirages. Voilà, ce roi d'épée, pour moi, sur ce mois d'août, vous invite à être très critique, très circonspect et pour certaines personnes, voire même méfiant, méfiante, ou en tout cas à vous poser tout un tas de questions et à poser aussi potentiellement les questions qu'il faut, potentiellement par rapport à une proposition ou une offre ou une nouveauté dans votre vie ou une opportunité hein, qui est quand même pas forcément... Je pense qu'on sait pas trop ici à quoi on fait face en fait. Ok. Bon, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Donc, on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc, toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle. Et on y va.
pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il va s'agir d'être au clair ici, j'ai l'impression, vraiment. Au clair avec soi ou avec les autres, ou sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on veut pas. Ah, j'ai une reine de deniers qui se balade à l'envers. Donc c'est l'idée de faire attention, et on a la papesse ici. Ouais. Suivez vos intuitions ici, c'est ça. Hein. J'ai l'impression. Ok, bon alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le 6 de coupe, la justice, le 2 de denier, l'impératrice, le roi de denier et en 2 de deck, la mort. Donc on a bien ce changement qui est là. Hein. Le 2 de denier et la mort viennent bien nous dire que ce qui va gouverner votre mois d'août, c'est une notion de changement, d'opportunité, de nouveauté. Et moi, j'ai bien cette idée qu'on jongle ici. Pour certains, c'est vraiment cette idée, est-ce que... J'ai des gens qui ne vont pas réussir à se résoudre, en fait, à laisser quelque chose derrière eux ou à quelque chose qui se termine, hein, avec ce 6 de coupe. On a bien la dimension du passé qui est là, et la justice en face vient bien nous dire qu'on a du mal à lâcher quelque chose, en fait. Et je sens qu'ici, on a du mal, en fait, à se résoudre à la nouveauté. Pourquoi? Parce que ça implique de laisser quelque chose derrière soi. Pour certaines personnes, c'est le retour au travail après les vacances. Hein. C'est possible. Hein. Et donc, on a du mal, en fait. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Donc, on passe, en fait, on est sur un mois d'août un petit peu... bancal pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il faut faire des efforts d'adaptation. Hein. Le 2 de denier vient nous parler d'une dualité, notamment. Alors, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du corps. Pour certaines personnes, on me parle de sommeil aussi. D'accord. Donc, ça peut être le retour à la vie active, le retour au travail, ou d'autres personnes, au contraire, c'est les vacances qui... voilà, c'est compliqué pour vous. Pour d'autres personnes, ce sera différent. Ok, mais ici, on a du mal à s'adapter, en fait. On a du mal à s'adapter parce qu'on a du mal... soit on a peur de la nouveauté, soit on a du mal à dire au revoir à quelque chose. Le 6 de coupe, dans cette position-là, vient nous dire que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà fait, que vous maîtrisez. Ça nous dit aussi qu'il y a de l'aide autour de vous pour vous aider, enfin, pour vous accompagner. C'est pour ça que ce roi d'épée, je vous disais, vous avez peut-être aussi besoin de vous faire accompagner, de vous faire aider, ou de vous décharger. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul non plus. Pour certaines personnes, sur le mois d'août, vous retrouvez tout seul ou globalement en équipe très réduite sur votre lieu de travail. Ce qu'on vous invite ici, c'est à comprendre que vous n'êtes qu'un seul homme ou qu'une seule femme. Hein. Donc on vous invite à vous préserver aussi autant que possible. Mais pour moi, il s'agit ici de passer à la suite, en fait. Voilà. J'ai une notion de déception, d'accord? On est déception, on est déçu que quelque chose s'arrête, on est déçu de devoir passer à la suite, on est déçu de... Voilà, on aurait bien aimé rester dans un état particulier ou dans un lieu particulier ou avec une personne particulière ou à continuer à faire quelque chose de particulier. Mais c'est bien la fin ici, il faut passer à la suite. Hein. Et pour certaines personnes, c'est vraiment le retour au travail qui est compliqué. J'ai une nostalgie ici, une nostalgie du bon vieux temps, alors que ce bon vieux temps, pour certaines personnes, ce sera l'enfance, d'accord? Pour d'autres personnes, ce sera il y a 3 semaines ou la semaine dernière quand vous étiez en vacances, hein. C'est différent pour chacun. Mais au-delà de ça, on a quelque chose ici qui quand même se passe bien. Ça vous demande un effort d'adaptation, c'est ce qu'on voit ici. Ça vous demande d'accepter que quelque chose est terminé et qu'il faut passer à la suite. L'impératrice vient vous dire qu'en définitive, ça va bien se passer, d'accord? Pour certains, je peux avoir ici vraiment du stress à l'idée de retourner travailler ou du stress à l'idée de faire les choses différemment, du stress à l'idée d'aller dans un endroit nouveau. D'accord, ça peut être plein de choses différentes, cette notion de nouveauté, d'opportunité ou de recommencement, d'accord. L'impératrice vous dit que ça va bien se passer.
On vous invite aussi ici à faire les choses correctement, à mettre vos affaires en ordre. On vous invite aussi, parce qu'il n'y a pas énormément d'énergie ici, j'ai plutôt un mois assez calme en vérité. Et on vous dit, ben, c'est le bon moment pour vous occuper de vos affaires, pour mettre en ordre enfin, voilà, vos dossiers, vos histoires, votre travail, planifier quelque chose de nouveau. Le roi de deniers vous invite ici vraiment à l'équilibre sur ce mois. De toute façon, on a beaucoup d'équilibre ici sur ce mois. Et là aussi sur ce mois d'août, donc voilà. Je pense qu'on vous invite à la mesure ici aussi, hein, globalement. Hein. C'est pas la peine d'en faire trop. Et on vous invite à prendre ce qui vient à vous, peu importe ce que c'est. Alors, le mot que j'ai pour vous déjà sur ce mois d'août, c'est parcimonie. Voilà, vous verrez comment ça résonne. Mais au-delà de ça, on vous invite à prendre ce qui vient à vous avec un certain scepticisme peut-être, d'accord? Et à y aller doucement en fait, hein. J'ai des énergies assez soft ici. Donc si vous n'avez pas envie de retourner bosser, on vous dit ben, un jour après l'autre et puis allez-y doucement quoi. Hein. Mais l'arcane sans nom vient bien nous dire qu'il est temps de passer à autre chose et il est temps d'entamer cette nouvelle période de vie, peu importe ce qu'elle représente pour vous. Même si ça fait pas forcément très très plaisir, mais ça va bien se passer, c'est ce que nous dit l'impératrice. Vous pourriez même être surpris hein, ici. Ok, un conseil pour vous par rapport à tout ça. Merci. On a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc les choses se passent bien, les choses vont bien se passer. Ça va être assez doux, assez soft. Et puis la façon dont vous le vivez vous appartient aussi, hein. Moi, vraiment, cette impératrice vient me dire, et ce 6 de coupe vient me dire que ça se passe bien en définitive, que les choses sont plutôt cool, assez douces, assez harmonieuses. Et que s'il y a quelque chose que vous, vous vivez très très mal, et ben c'est peut-être à vous intérieurement d'aller voir quoi. Pourquoi vous vivez ça aussi difficilement. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir le tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu pour les Capricornes. Ouais, j'ai une énergie de quelque chose qui change quand même dans votre vie. Hein. Je sais pas, on dit c'est le bon moment, il faut peut-être y aller doucement, il y a peut-être quelque chose comme ça, on va voir ce qui sort. Relationnellement pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, on me dit que c'est le moment quand même. Hein. C'est le moment, mais il faut y aller doucement. C'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être du mal à faire les choses de façon mesurée. On va voir. Allez, au niveau relationnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le 6 de bâton, le valet d'épée, l'as de bâton, le 8 d'épée, l'étoile. En deux de deck, le 3 d'épée. Donc on a encore une opportunité ici. Il y a bien quelque chose qui... il y a un mouvement ou il y a une chance ou... voilà, je ne sais pas trop quoi, qui arrive dans votre vie. Donc là, c'est relationnellement. Hein. Ça peut être... ce qui peut se passer ici, c'est que vous pouvez avoir l'opportunité, d'accord, qui est vécue comme une chance ici, avec l'étoile et l'as de bâton, de rectifier le tir avec une relation du passé ou d'en finir avec quelque chose. D'accord? C'est pas forcément une personne qui est toujours dans votre vie, ça peut être un ancêtre aussi, ça peut être un parent, d'accord? Il peut y avoir du transgénérationnel ici avec le 3 d'épée. Ok, là, on a bien, pour moi, l'opportunité de régler quelque chose qui se présente à vous, que ce soit avec une personne qui est encore là, ou une personne que vous n'avez pas revue depuis longtemps, ou quelqu'un qui n'est plus là, d'accord? Peu importe, ce sera différent pour chacun. Mais ici, j'ai
vraiment la chance, l'opportunité d'en finir avec un passé, de guérir d'un passé, de guérir d'une blessure, de passer à la suite en fait, hein, de dépasser quelque chose que jusque-là on n'avait pas réussi à dépasser. Le valet d'épée ici vient nous parler d'une relation où on n'a pas cherché à aller plus loin, on n'a pas cherché à comprendre, ou alors on n'a pas voulu. J'ai cette idée un petit peu ici de traîner les pieds ou d'y aller à reculons ou de faire preuve de mauvaise foi. Que ce soit vous ou la personne en face, hein, ça n'a aucune importance. Ici, on a procrastiné pendant longtemps, on a refusé de... Mais c'est plus que ça, hein. Dans cette position-là, le valet d'épée, c'est qu'on a refusé de voir la vérité, on a refusé de voir les choses, on a refusé de comprendre, on a fait l'idiot, on a fait l'aveugle, on a fait preuve de, ouais, de mauvaise foi, et on n'a pas voulu comprendre, on n'a pas cherché à savoir, et surtout, on ne voulait pas savoir. Donc là, j'ai une victoire sur une situation comme ça. Donc soit c'est vous qui avez fait preuve de ce comportement-là, soit on a fait preuve de ce comportement-là envers vous, soit ça peut être aussi un schéma éducationnel que vous vous êtes coltiné pendant toute votre vie qui vous a poussé en fait à dire des choses, à faire des choses que... Enfin, c'était pas vous quoi en fait, hein, c'est ce que j'essaye de vous dire. Donc... c'est quand même pas super simple ici comme mouvement, d'accord? Le 8 d'épée vient bien nous dire qu'on a une discussion stressante ou un événement stressant ou une rencontre stressante ou un truc comme ça qui nous stresse, c'est clair, parce que ça nous fait affronter notre passé. Ça nous fait affronter une personne avec qui on n'a pas été correct ou ça nous fait affronter un schéma, d'accord? Mais le 6 de bâton vient bien nous dire que là, vous avez la force, certes, mais surtout vous avez l'expérience nécessaire pour dépasser ça. Donc il y a cette énergie un petit peu de bon moment. C'est pour ça que je vous disais c'est le bon moment, d'accord, pour vous sur ce mois d'août. Pour en finir avec un schéma, moi je sens ici, et en plus potentiellement avec cette étoile, aller vers une réconciliation avec quelqu'un. Ou de manière générale, changer votre façon, enfin, on me dit votre rapport aux autres. Ça peut être votre rapport aux hommes, votre rapport aux femmes, votre rapport aux amis, aux amants, voilà, peu importe, hein. Donc, il y a ici un changement qui est en train de s'instaurer en vous de façon pérenne et vous allez en voir les effets ou commencer à vous apercevoir, en fait, hein, de quelque chose sur ce mois d'août. Donc, ce 6 de bâton vient bien nous dire qu'on dépasse quelque chose. C'est une énergie de victoire, hein, le 6 de bâton. On a lutté contre soi-même, contre les autres, contre le passé, contre son histoire, contre des schémas, contre des difficultés, d'accord? Et pendant longtemps, on n'arrivait pas à voir le problème. C'est-à-dire que le valet d'épée peut nous dire que pendant longtemps, on n'arrivait pas à comprendre que le problème, c'était nous. Mais on fait tout ça, hein. Sur certaines choses, c'est tellement douloureux à l'intérieur qu'on le voit chez les autres, mais on n'a pas la lumière qui s'allume à l'intérieur et on vient se dire, ah, mais c'est chez moi aussi, en fait. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que c'est pas l'autre le problème, mais qu'on est nous aussi le problème, ou en tout cas, on est la source de ses propres problèmes. Mais là, j'ai une résolution. Pour certaines personnes, ça va vous demander de faire face à quelqu'un, c'est possible, ou d'avoir une discussion particulière. Mais l'étoile vient bien nous dire que c'est pour le mieux ici, hein. C'est vraiment pour un développement beaucoup, et une communication, parce que j'ai beaucoup de communication ici, beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Et ça peut être de manière générale ou avec une personne en particulier, d'accord? Parce que j'ai pas... On peut avoir un signe du Verseau, mais j'ai pas non plus une personne en particulier qui sort. J'ai plutôt l'impression ici qu'on est dans le schéma éducatif. D'accord? Vous savez, il y a des gens, on les éduque en leur disant, mais on s'excuse pas, quoi, dans la vie. On ne demande pas pardon, on s'excuse pas, on ne dit pas qu'on est désolé. Il y a des gens qui sont éduqués comme ça, hein, et qui n'ont pas conscience de l'être. D'accord? Donc on peut avoir ce genre de choses ici qui sont mises en lumière et qui donc vont venir modifier drastiquement votre rapport aux autres et on me dit votre mode relationnel ici. Hein. Et donc vraiment j'ai cette énergie que c'est le bon moment. Il y a quelque chose que donc vous pourriez vivre sur ce mois d'août, peu importe la forme, d'accord? Certaines personnes c'est par le biais d'une personne extérieure, pour d'autres c'est un jour en vous regardant dans le miroir, ou vous allez faire un rêve ou au sortir d'une méditation, il y a quelque chose qui va remonter. C'est pas évident à vivre, hein. Le 8 d'épée vient bien nous dire ça, hein. Ça fait réagir notre ego. Mais par contre, il y a une prise de conscience, vous voyez, de à quel point on a été entravé.
D'accord. Et moi, ce valet d'épée me parle de l'enfant, me parle de l'adolescent, me parle de tous ces gens qui vous ont regardé et qui ont attendu de vous que vous soyez comme ci et comme ça, et ce qui vous a fait avoir sans doute des difficultés dans vos relations aux autres qui ont été blessantes, mais parce que d'une façon ou d'une autre, on me dit vous avez été blessant, mais sans forcément vous en rendre compte. Et j'ai une victoire là-dessus, j'ai un dépassement. Voilà, donc même si c'est difficile, on me dit si les autres vous en font voir de toutes les couleurs sur ce mois d'août, c'est pour vous faire prendre conscience d'un schéma comme ça. Parce que le valet d'épée, dans son aspect négatif, c'est le premier de la classe, mais vous savez, dans cet archétype, celui qui se vante, celui qui est méchant, celui qui rabaisse, je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, hein, mais il y a des schémas comme ça qu'on porte qui nous empêchent, ben, comme je le disais, de nous excuser ou de comprendre l'autre ou d'être curieux de l'autre ou on ramène les choses à soi. Et il y a une compréhension là-dessus qui se fait sur ce mois d'août. C'est très positif pour la suite, notamment pour votre suite relationnelle. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Mais l'ego en prend un coup, hein, pardon. Par contre, sur ce mois d'août, donc vous pourriez vivre des moments un petit peu difficiles. Ok, un petit conseil pour vous par rapport à ça. On a l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc, je pense que vous allez douter de vous-même, en fait, sur ce mois d'août. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que? Donc, difficile, un mois difficile pour l'ego. Et donc, on vous invite à revenir, hein, avec l'étoile à votre intuition. Ça va être très, très important. Donc, on est plutôt dans la relation à vous-même et à votre mode éducatif sur ce mois d'août. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va aller voir le tirage sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. C'est peut-être ça aussi le début difficile, hein, avec l'As de Denier. On ne sait pas trop. Sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sentimentalement pour les Capricornes? Alors, on a le 5 d'épée, le roi de bâton, le 8 de bâton, le 8 de bâton, le 4 de pentacle, pardon, oui, c'est ça. La justice et en dos de deck, le pape. D'accord. Donc, je peux avoir une rencontre. Alors, soit j'ai une rencontre sur ce mois d'août, soit c'est quelqu'un. Ça peut être inversé ici, c'est ce que j'essaye de dire. D'accord? Donc soit j'ai une rencontre, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et je retrouve des énergies assez difficiles ici. D'accord? Le 8 de bâton va nous parler de communication, d'accélération, de choses qui se déclenchent, de choses qui se décantent. D'accord? Peut-être de communication qui reprennent après un temps de rien. Enfin voilà, hein, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Ça peut nous parler aussi de votre guidance. Vous pourriez recevoir énormément, énormément de messages quant à votre vie sentimentale, justement, pour mettre en lumière les schémas qui vous empêchent de vivre ce que vous voulez vivre. D'accord? Là, j'ai une problématique avec le masculin. Donc, soit vous êtes un homme et vous avez, je pense, des conceptions de la femme, de l'homme, du couple, des choses comme ça qui sont profondément entravantes pour votre vie sentimentale. Si vous êtes une femme, vous avez des avis sur les hommes ou des perceptions sur le masculin ou des choses comme ça. Le pape vient nous parler de ça ici, hein. Ça vient nous parler vraiment du dogme, du cadre, des règles dans lesquelles on a été enfermé.
Et qui nous empêche de vivre des relations sereines ou épanouies, ou qui nous empêche en fait d'accepter que l'autre a droit à l'erreur. Hein. Vous savez, les hommes, c'est tous des connards et les femmes, c'est toutes des salopes. Voilà, c'est un petit peu ce genre de. Et ce genre de schéma-là, c'est intéressant parce qu'au quotidien, c'est pas ce qu'on pense nous-mêmes, mais c'est engravé en nous en fait. Et ça nous fait faire des choses et dire des choses qui, chaque fois, répondent à des schémas, à des dogmes qui sont engravés en nous. C'est un petit peu ce que j'ai ici comme énergie. Le roi de bâton dans cette position-là, c'est pas un super personnage. D'accord? Là, on nous parle de quelqu'un qui profite, de quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui ment, enfin voilà, hein, c'est vraiment l'archétype de celui ou de celle. Hein. Ça peut être une femme qui trahit, qui joue, qui. J'ai des questions d'argent ici pour certains d'entre vous. Donc voilà, mais là, c'est une notion de perception ici, j'ai l'impression. C'est une notion de perception. Ok. Moi, ce que j'ai sous les yeux me fait dire que ça va vous demander toute votre volonté, vraiment, toute votre présence d'esprit et toute votre conscience de vous-même pour voir au-delà de ça. D'accord? Au-delà, parce que là, le pape et le roi de bâton dans cette position-là me parlent vraiment de la vision en tant que masculin ou du masculin, d'accord? Vous verrez comment vous vous placez par rapport à ça. Qui sont profondément enfermants, hein, parce que le pape, c'est vraiment. Moi, c'est pas une arcane que j'aime particulièrement. Le pape, c'est vraiment cette énergie de la case, quoi. Hein, de la case, du précaré, de la règle, de ce qui est cadré, de ce qui est normé, et on déroge pas à ça. Hein. Donc. Pour moi, on prend conscience. C'est pour ça que je pense que ça fait écho au tirage relationnel qu'on a juste avant. Et la justice revient nous dire qu'on prend conscience de quelque chose de limitant ici. Et ça peut être vraiment sur des choses aussi bateaux que la place de l'homme, la place de la femme. Ça se fait, ça se fait pas. C'est censé être comme ci, c'est censé être comme ça. Il faut que, etc., etc. Dont vous n'aviez peut-être jusque-là jamais pris conscience. Et moi là, j'ai une prise de conscience là-dessus qui se fait. Pour certaines personnes comme ça, pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous met face à ça en fait, d'accord? Soit c'est une personne qui va vous dire ça, 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 ça et ça. Et l'ego va en prendre un coup. Soit on me montre quelqu'un qui se retrouve face à une copie conforme de lui-même ou d'elle-même, en fait. Et d'un seul coup, ça va faire tilt. Et j'ai l'ego qui douille, là, quand même, hein, sur ce mois d'août. Mais la justice vient bien nous parler d'une fin. On a une fin ici. Alors, pour certaines personnes, soit vous mettez fin à un relationnel comme ça, parce que, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que il pourrait y avoir une personne comme ça qui va rentrer dans votre vie, du style joueur, d'accord? Et il y a 6 mois, vous auriez dit oui à cette personne. D'accord? Parce que vous auriez vu le bon en elle ou en lui. Et là, vous allez dire non, mais stop. Voilà, non. Donc, il y a une reconnaissance d'un schéma ici. Donc, soit c'est le schéma chez quelqu'un d'autre, ce qui nous fait dire que vous l'avez reconnu chez vous, d'accord? Potentiellement le schéma de sauveur ou de victime. Soit il y a un effet miroir très puissant et vous allez reconnaître en fait la notion de règle, de dogme, d'enfermement quant à la place de l'homme ou de la femme chez vous et qui a été profondément entravant en fait dans vos relations, notamment sentimentales. Et j'ai une fin qui est posée là-dessus. Qui vous a sans doute profondément limité, hein, vraiment, dans le relationnel de manière générale. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises de tête, hein, mais moi je sens que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de conscience, beaucoup de présence d'esprit. Et surtout, il va y avoir beaucoup de questions, hein, c'est ce qu'on voyait ici, un questionnement, mais je suis vraiment comme ça, ou c'est moi le problème, ou etc., etc. Donc il va falloir démêler le vrai du faux ici. Surtout par rapport à vous, pour pouvoir assainir tout ça. Alors la justice nous dit que vous allez y arriver, mais la justice, l'étoile qu'on avait avant, c'est une histoire de processus. Hein, donc moi, je sens plutôt un mois d'août assez compliqué au niveau égotique. Pourquoi? Parce qu'on vient vous mettre face à des schémas comme ça de non-engagement.
D'accord. De jeux, de mensonges, de mauvaise foi, de déni. Voilà, hein, ce roi de bâton dans cette position-là, c'est vraiment, c'est pas un beau personnage. Donc chez vous ou chez les autres. Si c'est chez les autres, c'est votre posture de sauveur ou de victime, en fait. Hein, mais il y a quelque chose qui se révèle ici. Il y a quelque chose qui se révèle. Et on arrive ici à mettre des limites et à dire stop. Ou en tout cas, il y a une notion de frontière qui devient moins floue. Donc pour certaines personnes, vraiment, vous allez dire non ou stop à quelqu'un. Et pour d'autres, il y a cette idée de prendre conscience chez soi, de l'éducation, en fait, hein, vraiment, qui a été la vôtre et qui vous a enfermé dans des schémas de type l'homme c'est ça, la femme c'est ça, ou alors moi je fais ci, moi je fais pas ça, ou c'est pas acceptable, ou des choses comme ça, hein, qui ont été profondément limitantes. Donc bon, vous verrez. Allez, un petit conseil pour vous par rapport à tout ça, s'il vous plaît. On a Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre mieux. Donc pour certaines personnes, vraiment, vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un comme ça. Et ouais, il y a encore 6 mois, vous auriez dit oui, parce que c'était le bon, c'était la bonne, malgré tous les drapeaux rouges qu'on vous aurait envoyés. Hein. Mais là, il y a cette idée que pour moi, vous voyez quelque chose et on vous envoie plein de signaux et on vous envoie plein de messages, tellement que ça pourrait être trop, hein, parce que je sens que beaucoup, beaucoup, effectivement, de questionnements et le mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc on vous invite à revenir au cœur, aux intuitions et aux ressentis, notamment à votre corps particulièrement. Hein. Voilà. Donc attention aux rencontres que vous pourriez faire sur ce mois d'août. Ok, bon, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, d'accord? Donc on voit bien ici le besoin de mettre quelque chose au clair. Le roi de denier appelle à un équilibre, notamment au niveau des perceptions, au niveau des ressentis. On a bien une fin ici à poser avec la justice. Il y a cette idée de devoir se résigner, de devoir se résoudre à apporter un changement et à mettre en place quelque chose dans la matière ou dans sa façon d'être ou de faire sur le long terme. Là, on s'engage sur une nouvelle voie, une nouvelle attitude, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon d'être. Le but ici, c'est d'arrêter véritablement quelque chose pour retrouver un équilibre dans sa vie. Okay? Donc on est très très poussé ici à faire ça. Mais on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Ok, un dernier message pour vous pour ce mois d'août. Quel conseil on peut vous donner pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Merci. L'innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc il y a bien quelque chose lié à l'enfance qui remonte, d'accord? L'enfant croit ce que lui disent ses parents, d'accord? Les parents, pour l'enfant, quand on est gamin, les parents, c'est Dieu. D'accord? Donc j'ai quelque chose comme ça qui de l'ordre du modèle, c'est-à-dire ça a été on vous a inculqué quelque chose quand vous étiez encore innocent et vous l'avez pris pour argent comptant, c'est devenu une vérité. D'accord? Et votre psyché fonctionne toujours sur ce mode-là. Et c'est quelque chose comme ça qui remonte sur ce mois d'août. Ok? Donc on vous renvoie à quelque chose un petit peu comme ça de cette notion de modèle. Mais pour moi, j'ai cette idée qu'on vous guide soit vers quelque chose d'autre, soit vers une autre personne, d'accord, pour vous faire comprendre qu'un des modèles que vous avez est erroné. Hein. C'est pour ça que ce roi de denier vient bien nous dire que vous avez des choses à mettre en ordre dans votre vie. Ok. Au-delà de ça, on vous invite avec cette notion de parcimonie, je retrouve ça avec cette carte-là, à y aller en douceur avec vous-même. D'accord? Que peu importe l'âge que vous avez, vous continuez à apprendre. Il n'est jamais trop tard pour désapprendre et pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc on vous invite aussi à faire preuve de justesse, d'harmonie et de douceur. Vous avez des énergies très aériennes et très balance ici. Hein, donc l'amour des autres, oui, et l'amour de vous-même aussi. C'est important. On a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit de se tromper. C'est pas un problème. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite un excellent mois.